Good morgen, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat Amramiona, Ben Chana, Peggy, Batester, Nissim, Ben Aouda, Sol, Ben Chassin, Ophat, Ruth, Bat Claudine, Traina, Simcha, Bat Masoudi, Efrat, Mayan, Bat Léa, Betor, Chachol, Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet de Dur, Peri Dalet, Mishnah, tête. Shlosha, Achim, Shnaim, Mehem, Nesouin, Nishta, Achayot, Vechad, Moufne. Met, Echad, Mibale, Achayot, Vasaba, Moufne, Mahamar, Vacharkach, Met, Achiv, Vacheni. Bet, Shamay, Omrim, Ishto, Imo. והלאה תצא משום אחות אישה. ובית הלל אומרים, מוציא את אשתו בגט וחליצה. ותשת אחיו בחליצה. זוהי שאמרו, אוי לו, אוי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו. On va commencer par traduire cette fois-ci le cas, ça se rattache à la Mishnah précédente, en fait, on parlait de la Misa de Yevama, avec un cas encore plus particulier, original. Mais on va d'abord le lire et le traduire, et puis après on l'illustre à l'oral. Shlosha Achim, trois frères, Shnaim Mehem Nesuin et Shte Achayot, deux d'entre eux sont mariés à deux sœurs, Vechad Moufne, et un il est libre, célibataire, ou bien il est marié même avec une femme étrangère, mais en tout cas pas avec deux sœurs. Alors la Mishnah m'enseigne, Met Echad Mibale Achayot, Vasaba Moufne Mahamar, si lorsque le premier frère est décédé, donc un des deux frères qui était marié à ses sœurs est décédé, et le moufné et le célibataire, Vasaba moufné Mahamar. Et le moufné, le célibataire, lui a fait ce qu'on appelle un Mahamar, c'est-à-dire qu'il a donné des kiddushin à sa belle-sœur. Vacharkach met achiv vacheni. Et ensuite, son deuxième frère est décédé. Alors la Mishnah, on va pas dire la suite, on va d'abord expliquer de quoi on parle. Vous vous rappelez bien, la Mishnah précédente, on apprenait la fameuse. Le hiboum, la mitzvah du hiboum, avec le cas particulier de deux frères mariés à deux sœurs, que dans ce cas-là, lorsqu'un frère décède, Reuven Shimon et Rachel et Léa, on apprenait que Shimon ne devra pas faire la mitzvah de hiboum à Rachel. D'accord ? Et pour elle, il n'aura aucune mitzvah de faire la mitzvah de hiboum à cette Rachel, étant donné que c'est une inceste pour lui, c'est une erva, c'est achot ishto, ça s'appelle la sœur de sa femme, il ne peut pas se marier avec elle du tout, donc de ce fait, l'interdit. Elle n'est pas cette femme-là, elle est permise directement, il n'y a ni mitzvah de hiboum, ni mitzvah de chalitza. Notre Mishnah maintenant va aborder un cas un peu plus particulier, c'est qu'il y avait trois frères, dont deux d'entre eux qui étaient mariés à deux sœurs, Reuven, Shimon et Lévi, mariés à Rachel et Léa, c'est-à-dire Reuven à Rachel, Shimon à Léa, et Lévi, c'est un petit jeune célibataire encore. Et ce qui se passe, c'est que son grand frère Reuven décède. Alors, avant d'aborder le cas particulier de la Mishnah avec le Mahamar, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Reuven décède, alors on a Shimon, il ne peut pas se marier avec Léa, avec Rachel, puisque c'est la sœur de Léa, sa sœur, sa femme. Par contre, Lévi, lui, il est libre, et il peut sans aucun problème se marier avec Rachel et faire la mitzvah de Hiboum à Rachel. Ou au pire, lui faire la Chalitza s'il veut, mais en tout cas, il doit faire la mitzvah de Hiboum à cette Rachel. Maintenant, avant de compliquer la sauce de la Mishnah, on va poser un autre problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque Shimon va lui aussi décéder, tandis que Reuven ne s'est pas encore marié avec cette femme, avec Rachel? Ou bien plutôt, non, ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va poser le cas où Lévi s'est marié avec Rachel. Une fois que Lévi se marie avec Rachel, son autre frère Shimon décède. Alors maintenant, il y a Léa qui va venir devant Lévi, et elle ne pourra plus se marier avec lui, étant donné que Léa est redevenue la sœur de la femme de Lévi, puisque Lévi s'est marié avec la femme de Reuven. Lévi s'est marié avec Rachel. Maintenant, c'est devenu sa femme. Alors, il ne peut plus se marier avec Léa. De ce fait, Léa va être permise à se marier avec quiconque. Il n'y aura plus de mitzvah de hiboum. D'accord? Donnée simple. Cas un petit peu plus particulier, c'est que Reuven est décédé. En théorie, Lévi s'apprêtait à faire la mitzvah de hiboum à Rachel. Et entre-temps, Shimon est lui aussi décédé. Et il s'avère que maintenant, devant Lévi, il y a deux femmes qui sont toutes les deux zkukot leiboum. Elles attendent qu'il lui fasse le hiboum. Mais concrètement, il ne peut pas se marier avec aucune d'entre elles. Pourquoi? Parce que s'il se marie avec une, chacune, en fait, elle est la sœur de sa zkuka. C'est un cas un peu particulier. C'est que la femme qui attend que je lui fasse le hiboum, alors cette femme-là, pour le moment, c'est pas vraiment ma femme, mais c'est un petit peu ma femme. Voilà. J'entretiens un rapport avec elle de demi-femme un peu. De ce fait, j'ai plus le droit de me marier avec sa sœur. Parce qu'elle, c'est presque ma femme. Elle attend que je lui fasse le hiboum. Elle peut pas se marier avec quiconque d'autre.
elle est zkuka le iboum. Elle attend que je lui fasse le iboum. Elle est considérée comme si que, quelque part, comme si que le kidushin, le frère défunt qui l'avait marié, il l'a marié un petit peu pour tous ses autres frères qui attendent qu'il la libère. D'accord ? C'est le principe. Principe général. De ce fait, maintenant, je reviens dans mon cas. Lévi, il se retrouve avec deux femmes. La femme de Reuven, Rachel, et la femme de Shimon, Léa. Il a un problème technique, il ne peut pas faire le hiboum à aucune d'entre elles. Parce que chacune, elle est la sœur de sa demi-femme, si on peut dire comme ça. Donc il ne peut pas faire le hiboum. Sa mitzvah, c'est de faire la chalitza aux deux. Elles ne sont pas libres pour le moment parce que ce n'est pas vraiment ses femmes. Il n'y en a aucune qui ait une vraie inceste pour lui, mais c'est une petite inceste. D'être la sœur de sa zkuka le hiboum, celle qui attend de le faire le hiboum, c'est une petite inceste quelque part. D'accord ? Midera banane, c'est peut-être même un peu plus que Midera banane. On parle longuement de ça dans ma Sechet Yevamot, Perek Shlishi essentiellement. D'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il devra leur faire la chalitza à toutes les deux. Ok. Cas particulier à présent. Mais avant de faire ce cas particulier, on va d'abord introduire qu'est-ce que c'est le Mahamar. Il était fréquent, lorsqu'à l'époque, on faisait la misa de Hiboum, d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui les Sephardim font encore la misa de Hiboum, ils peuvent la faire, j'ai entendu des cas où on faisait la misa de Hiboum. Lorsqu'un homme fait le Hiboum, il a la possibilité, s'il veut, de donner des Kiddushin à sa Yevama. C'est ce qu'on appelle des Kiddushei Mahamar. Ils n'ont pas aucune... Ce qu'on va voir justement, est-ce qu'ils ont une valeur selon la Torah ? Ça va être le sujet. Concrètement, la Chara retient qu'ils n'ont aucune valeur, mais malgré tout, pour donner un peu plus d'allure respectable au Mahamad, je ne sais pas pour quelle raison ils faisaient le Mahamad, mais en tout cas, on donne de l'argent, une bague à la femme en lui disant « Arrête, m'écoutez, Châtelet », ça prend un statut de Mahamad, et puis ensuite, il va et il se marie avec elle, il la fait rentrer chez lui, et ça devient sa femme. D'accord ? Ils avaient le mitzvah de faire le Kiddushei Mahamad. La question de notre Mishnah va être maintenant. Lévi, lui, pour le moment, il avait juste Rachel, la femme de Reuven, devant lui. Lévi s'apprêtait à faire le hiboum, il a déjà donné les kiddushei Mahamar. Il a fait ses kiddushin. Il a déjà fait les fiançailles avec cette femme, Rachel. Et puis, d'un coup, Shimon décède lui aussi. Et la question va être de savoir, est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec cette nouvelle belle-sœur qui lui tombe devant lui en tant que Mizat Hiboum ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Selon Beit Shammai, Beit Shammai va me dire, ben, il n'y a aucun problème, puisque tu as déjà donné les fiançailles, les kiddushin à Rachel, Rachel est devenue ta femme, et l'autre, elle est permise, elle peut partir se marier ailleurs, toi tu continues à te marier avec ta propre femme, tu continues à te marier avec la femme que tu as déjà fait les kiddushin, ça a une valeur, tu as réussi à l'acquérir, donc tu te maries avec elle, et puis ensuite, eh ben... Léa, la femme de Shimon, ira se marier avec quelqu'un d'autre sans que tu lui fasses même la chalitza, aucune nécessité. Et selon Beit Hillel, Beit Hillel va dire non, les kiddushei Mahamar n'ont aucune emprise réelle d'un point de vue de la Torah. De ce fait, c'est du bluff. Donc tu as devant toi encore deux femmes qui sont tout simplement skukot leiboum. Tu n'auras plus le choix que de faire la chalitza. Et à notre grand regret, il ne pourra plus prendre sa femme, il ne pourra plus prendre l'autre non plus, la deuxième Yevama. D'accord, on a fait à l'oral toute la Mishnah, regarde, on fait ça dans les mots, on reprend depuis le début. Shlosha Achim, trois frères. Shnaim Mehem Nesuin Eshte Achayot. Deux d'entre eux sont mariés à deux sœurs. Reuven Shimon, Rachel Lea. Ve'echad Mufne, et un il est célibataire. Le troisième frère, Lévi, il est célibataire. Met Echad Mibale Achayot. Alors, première borne, d'abord, Met Echad Mibale Achayot. L'un des frères qui était marié à une des sœurs décède. Reuven. Et le célibataire lui a déjà donné le Mahamar, les Kiddushei Mahamar, il l'a fiancé. Lévi a donné une bague à Rachel en lui disant « Atmekou Deshetli, de la semaine prochaine, on se marie, on fait enfin notre misa de Hiboum. » Et ensuite, « Vacharkach Metachi Vacheni. » Et entre-temps, avant qu'il finisse de se marier avec elle, le deuxième frère, donc Shimon, décède lui aussi. Donc maintenant... Il n'avait pas fini de se marier avec Rachel, qu'il a maintenant une deuxième Yevama qui lui tombe devant lui, qui est sa belle-sœur. D'accord ? La deuxième, la sœur de Rachel. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai nous disent, aucun problème. Ishto Imo, ta femme, tu la gardes, tu te maries avec elle, tu fais ta mitzvah de Hiboum. Et ensuite, Vehala et l'autre, Tetsé Mishum Achotisha. Quand tu vas finir de te marier avec Rachel, il s'avéra qu'à présent, tu as arracher, déraciner la zika du hiboum de Léa, elle va devenir tout directement permise
parce qu'elle devait te devenir interdite à cause de Achrotisha, la sœur de ta femme. De ce fait, elle est interdite, d'accord, et donc elle n'aura plus besoin de faire un mitzvah de Iboum. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel nous disent non, Motsi et Ishto, Beget, Vechalitza. Il faudra que tu fasses tout machine arrière. Le Mahamar que tu as fait ne t'a pas permis d'acquérir, de te rapprocher de cette Rachel. De ce fait, au contraire, tu devras l'éloigner doublement maintenant. Lui donner un guet à cause du Mahamar. Et lui faire la Khalitza parce que c'est ta belle-sœur qui attend que tu la libères. Lui faire la Khalitza. Veteshet Achiv est la sœur et la femme de l'autre frère, qui est donc Léa, la deuxième, qui est venue en deuxième position. Il faudra lui faire la Khalitza. D'accord ? Donc en fait, il faudra faire deux Khalitza et un guet. Celle à qui il a donné le Mahamar, le Kiddushei Mahamar, il devra faire Get et Khalitza, et à l'autre il lui fait Khalitza. Zohi She'amru, c'est dans un tel cas qu'il a été dit dans le Bet HaMidrash, qu'on a évoqué cette phrase qui était bien connue, Oilo Alishto, Ilo, il y a marqué Ilo, peut-être c'est un lituanien, au lieu de dire Oi, il disait Ei. Ouais, je sais pas si vous connaissez quand c'est le... je sais pas moi, Loi, Loi, comme ça Rav Shach qui parlait, il y avait le... Les Lituaniens, ils avaient du mal à dire le oi, ils disaient ei. Donc ça fait oilo, eilo, oilo yalishto, oilo aleshet achiv. Malheur à sa femme, malheur à lui pour sa femme, et malheur à lui pour la femme de son frère. C'est-à-dire, il se retrouve, il a perdu sur les deux fronts, il ne peut se marier ni avec l'une, ni avec l'autre. C'est dans un tel cas pareil. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.